tu regardes l'immensité de la tâche que tu dois accomplir. Et là, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. Il y a cette voix qui te parle dans ta tête, qui te fait douter sur tes capacités, qui te conseille de laisser tomber et qui te pousse à abandonner. Si tu l'écoutes, tu vas te perdre. Elle te fera croire que c'est fini, que tu peux plus avancer, que ça sert à rien de lutter. Elle arrivera à te convaincre de laisser tes rêves partir en fumée. T'as peut-être fait des choses qui t'ont éloigné de tes rêves. T'as peut-être fait des choses que tu regrettes. T'as peut-être fait des choses que t'aurais jamais dû faire. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour rester à terre? Pour pleurer, te lamenter et ne rien faire? Est-ce une raison suffisante pour écouter cette voix dont le seul objectif est de faire de ta vie un enfer? Parce que le jour où tu seras 6 pieds sous terre et que tu repenseras à toutes ces choses qu'elle t'a empêché de faire, il sera trop tard. Mais il y a une autre voix, celle qui dit que même si tu risques de tomber, faut essayer. Ouais. Que même si c'est pas facile, faut essayer. Faut essayer. Que même s'il y a du sang, des larmes, des drames, faut essayer. Ouais. Faut que t'essayes. Faut que t'essayes. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que t'as le droit de déserter. C'est pas parce qu'on t'a dit non que t'as le droit d'arrêter. Tu ne fais pas partie de ceux à qui on dit oui, de ceux à qui on donne sans qu'ils aient fait le moindre effort. Toi, tu fais partie du clan des désabusés, de ceux à qui on dit non, de ceux à qui aucune chance n'a été donnée, de ceux qu'on a moqué, qu'on a laissé de côté, de ceux qu'on a rejeté. Tu fais partie de ceux-là. Mais on s'en moque, parce que tu viens de trop loin pour abandonner. T'as assez souffert pour renoncer maintenant. Peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe le nombre de fois où t'es tombé, peu importe les coups que tu t'es ramassé, peu importe le nombre de fois où les larmes ont coulé, t'as pas le droit de lâcher. T'as pas le droit. T'es en train de traverser l'enfer. Tu peux pas retourner en arrière. Ta vraie force, c'est ta capacité à maintenir la lumière de l'espoir quand ta vie est noyée dans le noir. Et je l'ai connu ce moment. Quand t'es au fond du trou. Quand t'as envie de mourir. Mais que la seule option qui s'offre à toi, c'est de réussir. On te demande pas d'être le meilleur. On te demande de donner du cœur. Parce que peut-être que la minute qui arrive là, maintenant, c'est celle qui va transformer ta vie. Fais-le ! Défie tes rêves.